Bonjour et bien. Donc j'ai quelque chose pour vous, c'est de Barbie. Donc c'est un plateau de jeu avec des chaussures Barbie. Et en fait, on a 30 chaussures qui sont dans ce set. Et c'est vraiment super original. Donc c'est des chaussures de folie. Donc on a 30 chaussures. 3 bracelets et 30 petits anneaux comme ça. Donc voilà, donc ça peut faire des super jolis bracelets comme ceci. Puis bien sûr, les Barbie peuvent porter les chaussures. Donc je vais ouvrir ça. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est sorti de la boîte. Bien sûr, bon, il y a encore quelques chaussures qui sont un peu parties de leur de l'endroit où elles étaient. Donc voilà, première chaussure. Elle est rose, transparente, avec des petites paillettes et des petites fleurs sur les côtés. Et la deuxième est juste là. Voilà notre première paire. Voilà. Donc on continue avec cette paire-là. Donc c'est la même, le même modèle, mais en noir. Voilà. Donc aussi les fleurs sur le côté, la petite anse sur le devant. Donc c'est vraiment le même modèle, hein, mais en noir. Voilà. Ensuite, paire suivante. On a les mêmes ici en rose. Celle-ci, donc ça c'est un modèle différent avec des étoiles. Voilà notre paire. Donc c'est en bleu ciel. Ensuite, j'ai le même modèle en jaune. Et encore le même modèle en rose avec des petites paillettes argentées sur les étoiles. Voilà. Voilà. Ensuite, paire suivante encore. Donc j'ai les même modèles en noir. Donc voilà, quatre chaussures avec des étoiles de couleurs différentes. Là, voilà, on a encore une chaussure avec les petites fleurs. Donc là, cette fois-ci, elles sont bleu ciel avec des paillettes argentées sur les fleurs. Donc quatre paires avec les fleurs, quatre paires avec les étoiles. Et on a donc aussi la paire de chaussures avec les fleurs en jaune. Donc en fait, on a cinq paires de chaussures par modèle. Voilà, là avec les étoiles, voilà, on a aussi, il nous manque la dernière paire, donc avec le rose transparent à paillettes. Donc voilà, on a la série avec les fleurs au fond, avec les étoiles devant. Et voilà, donc différentes couleurs, donc jaune, bleu ciel, rose transparent avec les paillettes, noir et rose. Et maintenant, on a le dernier modèle. Donc c'est des chaussures avec un gros plateau, assez élevé et plein de petites perles dessus. Donc là, c'est la première paire en bleu ciel. Ensuite, la même modèle en rose. Et là, rose transparent à paillettes. Donc, je pensais au début que ça allait être un plateau de jeu avec vraiment 15 paires de chaussures différentes. Mais en fait, on a trois différents modèles. En 5 et 5 couleurs de 5 couleurs différentes quoi. Et donc là la dernière paire, donc c'est noir avec les contours en paillettes argentées. Donc voilà pour nos chaussures. Ensuite, donc là j'ai la première chaîne. Voilà notre première chaîne. Elle est assez légère. On a des gros anneaux. Voilà. Et là, bien sûr, on a le fermoir.
très utile donc pour fermer le bracelet évidemment. Voilà. Et bien sûr, bon, on a un petit anneau qui va nous servir, qu'on utilisera pour fermer le bracelet, mais vous pouvez bien sûr l'accrocher à un maillon de la chaîne. Il n'y a pas de problème si vous avez le poignet plus fin que... Vous avez un poignet plus fin, voilà. Donc voilà, on a les deux autres qui ont la même longueur. Et enfin, on a nos petits anneaux, donc aussi ayant les mêmes couleurs que nos paires de chaussures. Donc on a le jaune, le noir, le bleu, le rose transparent avec paillettes. Et voilà, je pense que j'en ai pas oublié. Voilà, j'en sors un. Pour par exemple. Voilà, c'est en plastique, on peut facilement l'ouvrir. Donc je vais le tester une fois. Donc, j'espère que ça va pas être compliqué. Oh, la première. Oh, c'est pas évident en fait. Là, c'est bon. Il y en a une de faite. Et maintenant, je peux aussi donc accrocher cet anneau à un maillon de la chaîne. Et voilà, voilà ce que ça donne. J'ai réussi. Donc voilà, donc c'est vraiment une super idée de plateau. C'est maintenant on va s'intéresser à l'autre fonction de ces chaussures, voir si elles vont vraiment à la Barbie, si Barbie peut porter ses chaussures. Donc on commence par la première. Bon, ça part, ça tient pas bien, donc je pense que la chaîne bouge tout. Donc voilà, on va mettre les paires bleues. Et voilà. Oui, bah oui, ça passe bien. Hein. Ça a l'air d'aller. Bon. Bon, bah je trouve que c'est vraiment un concept super intéressant. On a... je trouve ça vraiment chouette qu'en plus, donc, avec les mêmes chaussures, que l'on puisse faire un bracelet. Et qu'on puisse les mettre en plus après à la Barbie. Et que bien sûr notre choix ne soit pas irréversible. Donc ça c'est chouette. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire par exemple quelle est la paire de chaussures que vous préférez, de quelle couleur. Moi j'aime bien celle-là avec le plateau. Ou celle-là aussi avec les étoiles, sont pas mal. Avec les fleurs aussi, elles sont pas mal. Mais bon, vous dites-moi vraiment quel est le modèle que vous préférez, la couleur, n'hésitez pas. Personnellement, je ne sais pas trop laquelle est la mienne. Mais je ne sais pas trop quoi choisir. Donc voilà, donc, n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos, à aimer la vidéo, laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis donc à la prochaine. Salut !